Bon. Dites A. A. C'est quelle saveur? Renvoi. Ouais, c'est ça. Bon. Ben, je vais vous examiner. Hein? Il est à peu près temps. Vous avez une allergie, c'est ça? Oui. OK. Mais à quoi? Ben là, c'est à vous de me le dire. Ah, c'est à moi? Ah, OK. OK, bon. Ben, vous avez une allergie au chat! Hein? Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ces méthodes-là? Ben, en fait, c'est une technique expérimentale. Moi, je dis le mot chat, vous avez une réaction allergique. Vous avez des spasmes violents, puis vous émettez des drôles de sons, donc on sait maintenant que vous êtes allergique au chat. Mais je suis pas allergique au chat. Ben oui, regardez, le chat, chat, chat! Ben, il se passe rien. Ben, je vous ai guéri! Bravo! Oh, bravo! 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 C'est quelle saveur? Framboise! 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 Bon. Avec les opérations puis les médicaments, ça va coûter 2 000 $. Est-ce que vous avez une assurance médicaments? Non. Ah ouais? J'aurais peut-être quelque chose pour vous. C'est vraiment avantageux dans votre situation. On parle d'une couverture de 500 000 $ sans augmentation de la prime pour seulement 50 $ par mois. Je recommande à tous mes patients. Ah ben si vous le dites, je vais la prendre. Ah ouais? Ouais. OK. Puis vous voulez sûrement aussi être protégé contre les crocodiles volants. Crocodile volant? Ouais! Comme ça, si votre crocodile volant attaque quelqu'un d'autre, vous êtes couvert jusqu'à 300 000 $. Non, mais j'en ai pas, moi, de crocodile volant. Oui, mais c'est pas ça que le crocodile volant va dire en cours. Ils sont bien connectés avec les juges. Coupable! Qu'on amène les témoins! Bon. Si tu touches à mon pot d'or, je te pète la gueule. Je pense qu'il y a moyen de se faire une passe de cash. Quoi? Ah! Allez donc! Qu'est-ce que c'est ça? Ah, excusez, ça n'a pas marché. Donc, vous avez une allergie, c'est ça? Ben, je pense que oui. Mm-hmm. Est-ce que c'est une allergie alimentaire? Ben, j'ai souvent des ballonnements après le déjeuner. Fait que... Ben, oui, peut-être. Les ogres aussi aiment ça déjeuner. Écoutez, là, allez-vous arrêter de parler d'ogre? Ça existe pas. Mais j'ai pas parlé d'ogre, j'ai parlé de déjeuner. Mais non, juste avant. Vous avez dit, les ogres aussi aiment déjeuner. Non, ogre, c'est pas un mot que je dis normalement dans mon vocabulaire, là. Je parle pas d'ogre. Oui, vous venez juste de le faire. Ah, c'est vrai. Je l'ai fait. Ah, c'est vous qui m'a entendu? Qui ça, l'ogre? Écoutez, là, c'est vraiment ridicule. Ça existe pas, un ogre des médecins. Ah, ça existe pas? Non. Ben, vous devriez en parler à mon cousin. OK, il est où? Il s'est fait manger par l'ogre. OK. Non, regardez, j'ai une photo. Regardez! C'est pas une photo, ça, c'est un tournevis.
C'est parce que je pointe la photo avec le tournevis! Écoutez, là, moi j'en ai assez, là. Je m'en vais voir un autre médecin. Oh non, laissez-moi pas tout seul. Oh non, c'est lui. C'est l'ogre. Bon, 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 bon. Bon, 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 bon. 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 Maintenant, j'ai besoin que vous vous déshabillez. OK. Mais pourquoi? Parce que j'ai goût de vous voir nu. Ben voyons. Je vais vous dénoncer à l'ordre des médecins. Oh non, faites pas ça. Ça a juste pas de bon sens. Est-ce que je vais être mangé? Mangé? Ouais. Pourquoi vous dites ça, là? Vous allez peut-être recevoir une amende ou peut-être même un emprisonnement, mais vous serez pas mangé, là. C'est l'ordre des médecins qui décide. Oh, vous avez dit ordre des médecins, OK. J'avais compris l'ogre des médecins. Bon. Donc, c'est quoi votre problème? En fait, je pense que je suis allergique. Oui, mais là, pour voir un médecin, là. C'est pas là à me regarder comme un épais. C'est parce que c'est vous le médecin. Moi ça? Ah. Ah ben oui. Ah ben. J'ai toujours cru que j'étais pompier. Ah mais c'est pour ça que j'éteignais jamais de feu. Ah ben oui. Ouais, mais si je suis pas pompier, comment ça se fait que j'ai la hache pis le camion? Je me souviendrai toujours de Madame Desgagnés, au milieu des flammes. Elle était pas capable de sauter du troisième étage. Pis son visage. Excusez. Excusez, c'est parce que... Vous êtes pas un pompier. Vous êtes un médecin. Hein? Avec un sarrau, là, dans une clinique, avec des diplômes, là, des outils de médecin. Je porte le casque, moi, monsieur. C'est pas un casque. C'est un soulier. Ah, ben oui. Ah, c'est là qu'il était. Ah, je l'ai cherché pendant une semaine. Hey, merci beaucoup. Merci. Votre maladie est incurable. Mais j'aurais peut-être quelque chose pour vous aider. Ça vous guérira peut-être pas, mais ça va vous aider à passer au travers. Bon, 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 bon. Il vous reste juste 2 jours. Oh non! Sinon, vous serez plus éligible au concours. Je pensais que vous parliez des jours qui me restent à vivre. Oh non, non, non. Ça, il vous reste... Ah! 2 jours où tu parles un nadon. J'ai des douleurs insupportables dans le ventre, là. C'est vraiment intense, là. Souvent, je pense près de m'évanouir. Je fais souvent de la fièvre, là. Je suis tout le temps étourdi. Je mange presque plus. Et là, pourquoi vous riez de moi, là? Parce que quand je mets les yeux comme ça, je vous vois en double. Bon, bon, bon. 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 Vous avez le SIDA. Le SIDA? Non, le SIDA. Vous êtes condamné. Vous devrez pratiquer la motomarine jusqu'à la fin de vos jours. Êtes-vous sûr? Pouvez-vous me guérir? Non, je suis désolé, c'est irréversible. Vous avez tous les symptômes. Le fun dans les vagues. Les filles en bikini, la bière avec les chums. Suivant! Hey, le gars là-bas, il a le SIDA, moi je peux-tu avoir le 4 roues? Non, vous, vous avez une vilaine toux! Bon. Est-ce que tout est beau, docteur? Je voulais pas vous le dire, là, mais... Vous avez une tumeur. Hein? Est-ce que c'est grave? Oui, c'est très grave. Ouais. C'est dégueulasse aussi. Là. Non, franchement, ça fait 15 ans que je suis médecin, puis
J'ai jamais vu une bosse aussi grosse puis aussi dégueulasse, là. C'est... Ah oh non, j'ai la misère à vous regarder la face, là. C'est... Okay. Hein? Où ça, là? Je vois rien, là. Où? Juste ça, là. En dessous des yeux, là, il y a comme une grosse bosse, là, avec des trous, là, puis du poil. Du poil! Ah. Puis en plus, il y a comme du gaz de chaud qui sort, là. C'est vraiment dégueu, là. C'est... Ah, je sais pas s'il faut que je laisse exploser, là, ou faut que j'opère, là. C'est... Ah. Non, mais... C'est parce que, docteur, là, vous aussi, vous en avez un, là. J'en ai un. Ça veut dire que vous êtes contagieux. Oh. Est-ce que vous restez là, là? Vous, il est déjà trop tard. Moi, je pourrais peut-être trouver quand même un remède là, pour... Ah! Ah ben! Je me suis trompé! C'est juste mon nez. Mais oui! Regardez, c'est écrit ici. Le nez n'est pas contagieux.